Je vous remercie. Je vais commencer par un mot peul quand même. Hein? On dit arabe. Bon, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Vous, mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans, vous tous, sans exception. Mais avant de commencer, je voudrais dire deux choses. La première, c'est de féliciter M. Ba, votre nouveau président. C'est Diallo, hein, ou bien c'est Ba? Je ne me suis pas trompé, c'est parce que les Diallo, c'est nos esclaves. Mes félicitations, M. Diallo. Deuxièmement, je voudrais vous parler d'un juge. Ce juge, c'est un monsieur qui était à Baltimore. Il s'appelait Johnson. C'était en 1972. J'étais jeune et il fallait prendre la nationalité américaine. La salle était deux fois plus grande que ça. Il y avait des ressortissants de tous les pays du monde. Je me rappelle ce que ce monsieur m'a dit ce jour. Et il n'y a pas une bonne soirée que de répéter ce que ce monsieur a dit aujourd'hui. Il m'a dit, il ne faut pas avoir de complexe de garder votre culture, votre civilisation et votre langue. Quand on est peu, on doit être fier d'être peu. Quand on est sous-sous, on doit être fier d'être sous-sous. Quand on est malinqué, on doit être fier d'être malinqué. Quand on est forestier, on doit être fier. Si vous éduquez, vous conservez votre culture, votre langue, avec la tête haute, ça serait une bonne chose pour vos enfants, pour la formation de vos jeunes qui vont, qui représentent cette future génération. Et aussi, il faut savoir le partager. Partager cette culture avec les autres régions. D'ailleurs, le jour où nous aurons le pouvoir à Guinée, nous allons encourager cela. Il y aura des semaines du Foutaïdano où les autres cultes, les autres régions viendront apprendre, savoir comment on vit au Fouta, quelle est la culture, quelle est la civilisation. Et c'est l'ensemble de toutes ces cultures de ces quatre régions qui fera cette beauté et qui fera cette force du domaine de la Guinée. Donc soyez fiers de ce que vous êtes et sachez que vous n'êtes pas seul. Les autres régions vont vous accompagner. On ne doit pas croire que être peu, ça veut dire ne pas être guinéen. Quand on est peu, on est guinéen avant tout. Quand on est sous-sous, on est guinéen avant tout. Quand on est forestier, on est guinéen avant tout. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Ne vous gênez pas, comme l'a dit ma sœur. Essayez de cultiver cette civilisation. C'est ce mélange demain qui fera la Guinée ce qu'elle doit être. Cette Guinée prospère, unie. Maintenant, comme je parle au nom de tous les partis politiques, je voudrais vous informer de quelque chose. Vous savez, ces trois derniers mois, il y a eu beaucoup de négociations entre les partis de l'opposition et le gouvernement. Et à l'heure où je vous parle, il y a une division nette entre les deux camps. Nos revendications, on les a soumises au gouvernement, à savoir l'audit des fichiers électoraux, la résolution des problèmes des élus locaux et enfin une date pour les élections libres et transparentes. Croyez-moi, avant-hier, nous avions reçu, il y a trois jours, nous avions reçu une réponse du gouvernement
qui a rejeté complètement nos revendications. Et unanimement, nous avions décidé de faire une marche pacifique le 26 du mois prochain. Je dis bien une marche pacifique. C'est notre droit et nous allons l'exercer en Guinée et à partout le monde. Donc ceci dit, je dirais de supporter nos frères qui sont là-bas sur le terrain, de les dire de sortir tous massivement pour que le gouvernement revienne sur sa décision, qu'il revienne sur la table pour négocier ce que nous avions commencé et enfin faire les élections libres et transparentes et faire continuer notre processus électoral que nous avons commencé depuis l'année passée. Je ne vais pas trop me tarder parce qu'il y a Baouri qui est là, je suis venu l'accompagner et il a beaucoup de choses à nous dire. Il était sur le terrain à Guinée, je ne vais pas plus tarder, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Mabézina. Voilà. Nous allons donc poursuivre le programme. Et maintenant, fais-le. Ok. Voici Madame Tunga. Elle va nous dire juste un mot. La Guinée n'y a pas de rêve. Vive la Guinée, vive la Guinée, vive la Guinée. Rentrons ensemble, sortons ensemble. Nous sommes des Guinéens et Guinéennes. Koto Baouri, Toli. Alors, merci beaucoup, Madame Boukara. Rapidement, une annonce avant de passer la parole à celui qui doit venir. Je rappelle que c'est bien le représentant de la délégation venu de Ohio qui doit s'apprêter. Donc, ce message, c'est Atiemi Adam Kapoula, Araiko Serima Multiservice. Be Holy War, Araï Kampekadi, Fale Walita Gol Communauté, Araï Woha. De prendre le micro pour son discours dernier soutien. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jamaa'ah. On accay hakke discours on komi wadata mo ko e français. Wana fi halay en fala kama wadde e pular ma wonde ma president mon on wawata wolde pular. Ko woni on tini dentangal woni dental maungal hede mariga hobbe iwrube e cende den fo kawtal be mede e musi e mede go tawaybe haray be la ina pular be nanata moja donc haray mi do jeedi jama on yobe bembungo be hedo discours on e français harabe seytinan kono ado mi fuddare discours on mi faalete wadude kongure didi aranon dum mi weltani ke Allahu tagudo en gon mi jarni mawbe am be yumma e ben am mi weltani ke be gure am de peske mi yebato wana
samakala meme den do be ngore am den wala be am ben e be ngore am den dirin on jarama jarama ara yo le toy yo yo en foe how to welta de moyedo bay bi andura ke fute ke o haju men do be sonna be do e bi be mabbe ko dum woni be ala fayda modi fay ben ala baba bay be yatamo si be yi mo mo natir de telephone e mo wul de ka telephone de mo fokkiti o yalti da telephone donc haray mi do weltanibe mi do toribe hakke yo be yafo ko fi musidangal fi jamaa on wo me wadir dem donc haray do mi fuddade ka lua français mi do toro jamaa on fo enen wonbe do be en fo yo en wonu yottina e benelal e musibe men tawbe hetta ki senagol dole ara hiden salmina be hiden lando sana ala allah taw hara ko jang hadi tawbe wawi hettaade en tori ke jama on fo koto e konna go itten hakunde meden wonen nene goto baba goto suto den ko suti en kon hara en suto nirali hakunde meden si tawi o si tawi on tigino wawi no beccini ma no berni ma no wawi plamma joyre no wudi ka hollen dum feondo ara wana hakunde meden en torike suka be ben fo yo teddi mawbe men ben en torike mawbe men ben fo yo be wallito en enen sukabe ben haray do mi fuddade ha him français on mi wawata fuddade mi jarnali yimbe seeda délégation ji men seni be ben iwi extérieur e États-Unis do fo tawbe ben ko fi o union fouta e délégation ji meden be ka politique parti ji men din e délégation ji men iw ben ka fore e iw be ben basket haray be fop mabbe ko toli mabbe iden weltani be iden jarni be ko hikata dom haray jama on mi do fala yo on weltano Alhaji Boubacar Diallo se marano sukube e mobotano ko do hande do fala haray kadi yo weltano e mawbe men ben be fop mabbe mi ala elintude sako mi yeggita wobbe yo weltano en imamo e men ben be fop mabbe ko sabu hondum menen sukaabe ben men waawi wadde goddum woosi tawi mawbe amen ben jangube meden ben ka diina islam be wallitike en ara en jarniibe be jaraama yo allah yobbe e sukaabe kala wakkiliibe findu muradu handu hewdi fewndo en weltanike e fop mabbe wana o ma o mi ala e fuddaade lintude hay goto sakko mi yeggita goddo aw joni ara mi toroto on kadi kala organisation wondo do tawata ko musiddo meden crée on organisation ara yen andu ko organisation meden iden foddi e organisation je bus na goto fottu den wana didi iden foddi e di bus donc ara mi tori o jamaado bay mi do wawi considerude o jamaado ara no bawan fewro o sayido
wata goto e wona mo jamaado wadu koto e konnaago e organisation haye goto fi Allah ta nabi Muhammad si organisation go memmini go dun tawi hiden waaybe wallitaade komitoroto on wallitodembe si tawi en waawata mi tolike on wata en falluwe donc on accay hakke joni mi fuddano en yewtude ka hala français on accay hakke kadi mi yawna e seeda parce que tammen on o woddike lero mutike mi falteno jangirde doyi kono mami yawna seeda Honorable Maudo Difuta, respectueux membre du Conseil des sages du Fouta, respectueux responsable des Diwe du Fouta, mesdames, messieurs les responsables des mouvements associatifs et organisations communautaires du Fouta, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes. C'est avec un insigne honneur et une profonde humilité que je m'adresse à vous ce soir par la grâce de Dieu, le tout clément et miséricordieux. Permettez-moi tout d'abord de remercier et féliciter tous ceux et toutes celles qui ont placé leur confiance en ma personne lors de l'élection du 26 juillet 2011. Je voudrais également réitérer ma reconnaissance et mes remerciements à tous ceux et toutes celles qui se sont fait entendre soit en s'abstenant d'exprimer leur voix à travers notre maison. Je m'excuse. Soit en s'abstenant d'exprimer leur voix à travers les urnes ou soit en votant contre ma candidature. Je vous remercie donc pour les efforts et pour les sacrifices que vous avez consentis pour la création de notre union dont nous célébrons aujourd'hui l'investiture des membres de notre maison commune. Pour ce, je rends un vibrant hommage à toutes les filles et tous les fils de Fouta qui ont bien voulu amorcer cette nouvelle ère tant attendue au sein de notre communauté de Fouta, ici, dans les trois États, New Jersey, New York et Connecticut. Dans l'optique donc des préparatifs de l'élection du bureau exécutif du Fouta, je reconnais que vos contributions à la fois personnelles et collectives ont été déterminantes. Soyez-en donc vivement remerciés. Ainsi, dans le cadre du choix de cette nouvelle équipe qui vient d'être investie, nous avons tenu compte de la diversité géographique de notre région. Elle est composée d'hommes et de femmes intègres, qualifiés aussi bien intellectuellement que socialement pour répondre aux attentes de nos compatriotes de New York, New Jersey, Connecticut, des États-Unis et ailleurs dans le monde. Honorable Maudo Difuta, respectueux membre du Conseil des sages du Fouta, respectueux responsable des Diwés du Fouta, mesdames et messieurs les responsables des mouvements associatifs, les CRE et organisations communautaires du Fouta et des partis politiques se trouvant dans les trois États, New York, New Jersey et Connecticut. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes,
Mon équipe et moi sommes conscients des tâches qui nous attendent. Nous mesurons à juste titre l'immensité et la diversité des défis sur notre chemin. Défis qui semblent invincibles, mais avec vous, avec votre détermination, je reste convaincu qu'ensemble, aucun obstacle ne résistera face à notre volonté. Notre désir ardent de servir et bâtir une communauté unie, indivisible, forte, solide et prospère. Unité et progrès seront notre arme de bataille. Tolérance, respect des valeurs et pratiques traditionnelles seront le quotidien de mon équipe. Les vertus et principes qui ont toujours caractérisé l'évolution socio-historique de notre communauté et de notre région nous serviront de guide vers la victoire. Chers compatriotes, le chemin est certes long et parsemé d'embûches, mais contre vents et marées, nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés, ceux de répondre aux aspirations de la communauté. Aspirations, j'insiste, qui ne pourront se faire sans la participation effective et active de tous les ressortissants du Fouta, sans distinction de leur rang social ou de leur présence géographique. Mais au préalable, un défi majeur reste à relever au sein de notre communauté, comme en témoignent les divergences idéologiques exprimées par les uns et les autres depuis l'entame de ce processus. Il s'agit de notre unité dans l'expression positive de nos différences. Jadis, nos ancêtres, en l'occurrence Karamoko Alpha Molabé, avaient posé les jalons de cette unité Foutanké en fondant le Fouta théocratique sur la base de notre tradition et sur les principes de l'islam. Que d'efforts et de sacrifices donc consentis par nos ancêtres pour nous léguer de bons exemples. Que d'efforts et de sacrifices consentis ces derniers temps au sein de nos communautés respectives. Que d'appels à l'unité prônés à travers les radio talk shows et la presse en ligne. Que de sermons d'unité prêchés dans nos différentes mosquées ces derniers mois pour voir renaître aujourd'hui ce grand Fouta tant rêvé dans nos trois états. Vu donc ce taquis enregistré au sein de notre communauté, le gros du travail ne fait que commencer, comme en témoigne le chemin déjà parcouru et les obstacles franchis. Et je puis vous rassurer donc que la détermination des filles et des fils du Fouta ne fait aucun doute. Chers compatriotes, il est de notre devoir de faire en sorte que ces efforts et sacrifices consentis par les sages, les femmes et les jeunes ne soient pas vains. Vous conviendrez avec moi que ce bureau fraîchement élu ne pourra rien faire sans le concours et la participation effective de toutes les filles et de tous les fils du Fouta. Permettez-moi donc de lancer un appel pressant à toutes les associations villageoises, sous-préfectorales, préfectorales et ONG du Fouta pour se réunir comme un seul homme et se pencher très sérieusement autour d'objectifs précis et d'apporter des solutions adéquates
au problème d'unité et de développement auquel nous sommes confrontés. Ainsi, nous pourrons travailler en étroite collaboration, en complémentarité et en interdépendance, contrôle et confiance réciproque, respect dans la divergence idéologique afin d'esquisser le pas d'unité à travers lequel déambule tout progrès. En tout cas, mon équipe et moi sommes disposés et disponibles à œuvrer dans ce sens. Pour ce, les deux années à venir seront déterminantes et exigeront beaucoup de sacrifices de tous les côtés pour relever les défis. Notre équipe est déterminée à endosser ce fardeau et à travailler sur des objectifs précis tels que unir la communauté du Fouta des trois États et ailleurs, répertorier les associations et ONG basées dans les trois États et ailleurs qui couvrent particulièrement dans l'intérêt du Fouta. Je m'excuse. Qui œuvrent particulièrement dans l'intérêt du Fouta. Travailler étroitement avec les associations et ONG pour s'informer pour leur installation, fonctionnement et activité afin de recenser les compétences et identifier les besoins d'appui. Mettre en place une cellule de travail pour l'appui et l'échange d'expériences entre nos associations et ONG. Pour finir, conscient donc de la confiance inaliénable portée en nous pour conduire le destin de notre communauté pour ces deux années à venir, nous rassurons toute la communauté du Fouta de notre totale et entière disponibilité pour la servir conformément aux dispositions de ses statuts et règlements intérieurs. Que Dieu bénisse le Fouta, qu'il nous donne la volonté morale et physique de répondre à vos attentes. Vive la Guinée, vive le Fouta, et que Dieu nous comble de sa miséricorde. Et que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Voilà le discours d'investiture du nouveau président de l'Union du Fouta, Dr Amadou Mombéa. Prenez place. On a dit que Johnny, le président, on a dit ta place, mais en fait, il a donc juste information. Mon mengendi, haray woko doin elarja hamjata bari. Donc, ça, haray fono andibe, hay sitay woni be yi alibe physiquement. Ko ben haray woni woko holliti jama on, wandema kotirawa mabbe no fetini, hiwrondirangal harino halda ko jango watta Brooklyn. Kono haray wobe holliti jama on, woko woni yahude ka hiwrondiral kono no tiidi, yoni haray wobe yafike jama on fi ngal portal no jango. Be torike kadi jama on haray ite wawi wadande be duwaji din ka fottude do donc haray ko humpitugo non jama on ko hekkiti don certificat d'appréciation di no moddina fi weldanagol sedito ko wobbe der communauté on woni wadande jama on hino ko model on ni a jonno bari sayon no kodade e wawata wiwde be hendoto du yeso jama on do kono haray woy be tora yidugol e bureau mo jukkinde don fi hendagol di certificat ko hombe woni ben ko Elarja Souleyman Diallo, docteur Tierno Amidou Ba, monsieur Sadio Bari, monsieur Alpha Oumar Debea, madame Bo Adjidiatou Bari, monsieur Saliou Ba, monsieur Mamadou Aliou Diallo, docteur Tierno Madjou Diallo, monsieur Mouktar Diallo Atlanta, docteur Sidi So, monsieur Alseni Diallo, monsieur Alassane Diallo, Philadelphie, Elarja Kabirou Diallo, Elarja Baylo Satina Diallo, monsieur Talibé Ba et monsieur Tierno Diallo. Donc, ces personnes sont priées de bien vouloir prendre contact avec le bureau pour recevoir leur certificat.
à notre président de l'OFDG. Voilà, maintenant, vous savez, nous avons un invité spécial pour cette cérémonie. Il s'agit du premier vice-président chargé de la communication et des relations extérieures de l'UFDG, M. Bawuri. Félicitations au nouveau bureau qui vient d'être installé. Je disais félicitations au nouveau bureau qui vient d'être installé. Je pense que sa mission sera très lourde parce que ce nouveau bureau hérite d'un passé qui va au-delà de la situation de la communauté aux États-Unis. Notre pays vit une situation difficile. Le président actuel a divisé les communautés guinéennes et en tant que représentant d'une communauté de la Guinée, vous aurez à travailler essentiellement pour unir vos membres, mais également pour unir la communauté avec les autres communautés du pays. Je ne serai pas long, c'est tout simplement pour vous exprimer ma fierté d'avoir vu de mes propres yeux une nouvelle génération qui monte. Ceci veut dire que nous sommes sur le chemin de la victoire. Et je suis certain que vous pourrez travailler pour le développement de la Guinée. Et je dois dire, comme ceux du Canada l'ont dit tout à l'heure, la Guinée a besoin de vous. La Guinée a besoin de votre expertise. La Guinée a besoin de vos initiatives. La Guinée a besoin de votre volonté de moderniser notre pays et les rapports sociaux. Je suis sûr, dans les temps à venir, vous aurez à prouver que vous êtes capable et que vous êtes à la disposition de la Guinée. Le reste, je le dirai en polar. Yidugol ho. Yidugol ho remu na anugol lutu bebe. Il faut ontigi teddina hore mun si lutu beben teddina ontigi. Donc teddinen hore men sen teddini hore men lutu beben ala hare ala goddum go ko be wada sina teddingol en. Donc mi do kon no holli suka beben immike darike dartike, c'est très bien. Félicitations. Comme il paye data don kadi ko andi ngolon sa yon no nipiti comme dipiroji buy no yeso ido on andi e der yontere araynde den piji buy no sata comme parce que en wawata accude lami don fewndo do wada ko falawo no falirano. Parce que ce acham owadi no falira non ko radagol fulbe ben e de linde sendugol leydi ding ukka yite e der la Guinée. Donc si innama wobbe amen ko extremiste ko hombo buri wonde extremiste na addudo addaydo yite hubba pratiquement lanche leydi mundi. On doit être extrémiste. Il a
tangini alla wallay alla no wallude wotaw bernde mom mayu suka be benno be warini holli ke bernde monde mayali tout au contraire no wodi ko sati donc préparons-nous parce que New York idon kono woni tugale den si tugale den sembi haray ko lutti kon sattata donc wakilo den waden kadi no mawbe makiri non accen korun am bendungan dun don no tampini en mais dun don kadi no yaadi aduna on ko non yarata kadi ko e der bu yo yimbe ben bu ondirta no gonga on yalti tata donc wakile jokke no haldir don non gollane jama on gollano leji mendi si woniri non tun hilan tanjini e hilan felliti en folay parce que Allah wallahi si Allah jabi merci et félicitations merci benjaba wala benjaba ati merta yo communiquer do wala ati ake me ngarta e yo communiquer mo me Je suis venu à la maison de la